Bonjour à tous et un grand merci à Gérard pour l'organisation de ce digital quid meeting. Alors, comme vous le savez, nous avons la lourde tâche avec Jean-François de vous parler d'incontinence urinaire après BSU chez la femme. Je sais ou je ne sais pas l'éviter. Et comme finalement cette thématique se prêtait assez mal à une controverse, on a choisi de vous décliner sous la forme d'un petit cas clinique la persistance d'une incontinence urinaire d'effort, que je traiterai moi-même, ou la persistance d'une incontinence par hyperactivité vésicale, que traitera Jean-François, après la pose première d'une bandelette sous-urétrale. Alors, un petit coucou à Annecy, que nous reverrons très bientôt, j'en suis certaine. Et nous allons d'emblée aborder donc le cas de cette patiente de 42 ans, récemment opérée d'une incontinence urinaire d'effort gênante après échec de rééducation et qui a donc bénéficié de la pose d'une bandelette par voie transobturatrice. Lorsqu'elle vient à sa consultation post-opératoire, cette patiente est mécontente du résultat de son intervention. Alors, la première question à se poser, c'est de quel échec s'agit-il ? Alors, comme je vous l'ai dit, je vous parlerai d'incontinence d'effort persistante, Jean-François d'hyperactivité vésicale persistante ou de novo. Et je débuterai mon exposé par un petit aparté concernant la déception des patientes avec une petite mise au point multidisciplinaire. Comment éviter cette déception des patientes? Est-ce que je sais? Est-ce que je ne sais pas? Et je vous répondrai que je sais le plus souvent. Et pour cela, il est primordial de savoir écouter la patiente en préopératoire. Alors, les attentes des patientes, elles sont souvent exprimées en termes de disparition de symptômes, mais pas seulement. Et l'objectif de la chirurgie peut bien sûr différer entre patients et thérapeutes, ce qui rend essentiel le dialogue entre le chirurgien et sa patiente. Alors, ces attentes, elles peuvent dépasser le cadre médical, concerné par exemple la sexualité ou la prise en charge d'une douleur. Cet interrogatoire préalable à la chirurgie doit donc définir les buts à atteindre, qui sont souvent des événements plus reliés à la qualité de vie. Et la patiente va vous dire ce qu'elle aimerait pouvoir faire ou refaire. Il va falloir classer et lister ces événements, voir s'ils sont réalistes ou pas, et véritablement passer un contrat avec la patiente, ce contrat devant être le plus clair possible, afin d'éviter bien sûr une déception après la chirurgie, déception qui ne serait pas directement liée à votre acte chirurgical lui-même. Alors, quand on regarde cette publication sur les symptômes que les patientes espèrent voir améliorer en post-opératoire, vous voyez que en première position, il y a la reprise des activités physiques, la disparition des fuites. Et vous voyez que finalement, la reprise des activités est même supérieure à la disparition des fuites. Il faut donc véritablement, avec votre patiente, faire ce travail préalable à l'intervention. Quand on s'intéresse aux facteurs qui peuvent influencer le degré de satisfaction à un an des patientes après chirurgie, vous voyez qu'apparaissent l'incontinence par urgenturie, dont vous reparlera Jean-François en première position, et aussi en deuxième position, la résolution, la non-atteinte des objectifs subjectifs de la chirurgie. Donc, véritablement, ces objectifs sont essentiels à considérer.
Alors, il faut savoir aussi, au cours de cette première consultation, anticiper les suites opératoires, anticiper les complications, ce qui est attendu et possible versus ce qui est inattendu, anticiper les résultats incomplets, et pour cela, vous pouvez bien sûr vous aider des explorations complémentaires. Et il faut donner à la patiente une perspective d'optimisation de ce résultat lorsque ce résultat sera vraisemblablement insuffisant ou incomplet. C'est là qu'il faut établir avec votre patiente un véritable programme de prise en charge qui peut se décliner en plusieurs étapes. Et à ce moment-là, la pose de la BSU en est l'étape primaire, mais pas définitive. Il faut donc, dans ces cas complexes, véritablement définir ce canevas lors de cette première consultation pour éviter que cette première étape ne soit vécue comme un échec. Alors, Madame X, elle décrit la persistance d'une incontinence urinaire d'effort invalidante. Et est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas éviter cette situation dans ma pratique quotidienne? Eh bien, je vous répondrai que oui, je sais le plus souvent. Et pour cela, je dois respecter deux postulats, la pertinence de l'indication, le respect de la procédure technique, et je dois faire le meilleur choix de BSU pour ma patiente. Alors, la pertinence de l'indication, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Vous savez bien sûr qu'il faut donc que l'incontinence urinaire d'effort soit avérée avec une gêne fonctionnelle chez une patiente demandeuse de chirurgie après un échec de rééducation. Vous devez avoir une hypermobilité urétrale avec un TBT test positif, et c'est d'ailleurs le degré de cette hypermobilité qui va conditionner en grande partie le pronostic de votre intervention. En présence de facteurs de risque d'échec, il faut en informer la patiente, valider votre indication en RCP. Vous savez d'ailleurs que maintenant, la validation en RCP sera obligatoire pour toute BSU avec l'application du dernier décret. En présence de facteurs de risque de complications, il faut également en informer la patiente et voir avec elle la balance bénéfice-risque pour avoir son adhésion complète à la procédure. Alors, faire le meilleur choix de BSU, ça revient à se poser la question, TVT et TOT sont-ils équivalents en termes d'efficacité? Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre sur la base d'une littérature qui est foisonnante maintenant sur la question, oui, dans la population générale. Cette efficacité peut être considérée comme comparable, mais qu'en est-il de la morbidité? Alors là, c'est pareil, si on regarde cette méta-analyse récente sur le taux global de complications périopératoires, ce taux global est identique avec les deux voies d'abord. Par contre, le type de complication diffère en fonction de la voie rétropubienne et de la voie transobturatrice. Vous voyez qu'après la voie rétropubienne, les perforations vésicales et les hématomes sont les éléments que l'on retrouve plus fréquemment, de même que les difficultés de reprise mictionnelle. Après la voie transobturatrice, ce sont essentiellement les douleurs du pli de l'aine ou de la cuisse qui apparaissent en première position, avec également là aussi les difficultés d'ordre mictionnel. Donc, il y a sur les bases de ces données des facteurs à prendre en compte pour limiter le risque de complications, avec clairement des situations qui sont non favorables au TBT. Ce sont les patientes multi-opérées de l'abdomen, les patientes porteuses de plaques abdominales basses pour éventration, les patientes sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires. Il y a des situations non favorables au TOT, ce sont les femmes avec des cul-de-sac vaginaux ascensionnés, d'où l'intérêt d'un examen clinique préopératoire minutieux. Ce sont les patientes avec des antécédents de colposuspension, de type Birch, de type Marshall-Marchetti. Et ce sont les patientes jeunes ou très sportives en raison de ce risque de douleur au niveau des cuisses. Alors, les bandelettes rétropubiennes et transobturatrices, efficacité comparable en population générale, oui, mais pas quand on s'adresse à la seule population des patientes avec insuffisance sphinctérienne.
Là, clairement, la littérature montre maintenant qu'il y a un avantage à la voie rétropubienne. Et si l'on regarde ce travail publié en 2014 qui concerne 1877 patientes avec des patientes opérées d'un TBT, de TOT et d'ailleurs à cette époque de mini-sling, vous voyez que le taux de réintervention globale pour récidive d'incontinence urinaire d'effort, il est de 4,4% à 5 ans et de 7,4% à 10 ans. Quand on regarde le taux de réintervention pour complications, il est de 6%, essentiellement pour rétention ou exposition de matériel prothétique. Et on constate que ce taux de réintervention pour complications, il est plus important après TBT qu'après TOT. Maintenant, quand on regarde avec l'opus un peu plus tardif de cette même étude, le risque de réintervention pour récidive d'incontinence urinaire d'effort avec la distinction TBT versus TOT, clairement, il y a moins de réintervention pour incontinence d'effort récidivée après voie rétropubienne qu'après voie transobturatrice, avec, vous voyez, à 8 ans, 5,2% de réintervention dans le groupe TBT versus 11,2% dans le groupe TOT, ce qui donne une prime incontestable au TVT en termes de risque d'incontinence urinaire d'effort réopéré. Pour être tout à fait complet sur ce travail, il y avait dans cette étude analysé également le risque de réintervention pour rétention urinaire. Il était augmenté après TVT plus qu'après TOT dans la population générale. Par contre, quand on ne regarde dans cette étude que les patientes qui avaient bénéficié d'une bandelette sous-urétrale isolée, les autres ayant eu une bandelette sous-urétrale assortie d'une cure de prolapsus, on s'aperçoit que cette différence en termes de réintervention pour rétention n'existe plus quand on compare TVT et TOT. Alors, comprendre le mécanisme d'échec, est-ce que je sais ? Ben oui, je sais le plus souvent, mais pour cela, outre l'examen clinique qui reste essentiel, il faut bien sûr que je m'aide des explorations complémentaires. Le bilan urodynamique, il est incontournable dans cette indication. Il permet notamment de diagnostiquer une faiblesse sphinctérienne et d'autres situations comme l'hyperactivité vésicale ou l'obstruction dont vous parlera Jean-François. L'urétrocystoscopie, elle permet de visualiser une béance cervicale et des lésions iatrogènes comme une extrusion ou une fistule. Vous voyez sur cette vision un aspect de col vésical béant au retrait de l'endoscope avec une mauvaise occlusion cervico-urétrale. Vous devriez avoir une image de ce type. Quelle est la place de l'échographie ? Eh bien, il est aujourd'hui extrêmement important dans notre pratique quotidienne dans ce type d'indication. Il va permettre d'évaluer la position de la bandelette. Est-ce qu'elle est bien placée à une urètre ? Est-ce qu'elle est trop distale ou au contraire trop proche du col vésical ? Elle permet d'évaluer le trajet de la bandelette, sa régularité et de contrôler son efficacité lors d'épreuves dynamiques en manœuvre de Valsalva ou à la toux. On recherchera donc l'absence d'occlusion urétrale à l'effort qui signe donc une inefficacité de la bandelette sous-urétrale. Elle permet donc de rechercher les causes d'échec, l'existence d'une béance ou d'un funneling urétral que l'on voit très bien sur cette vision ici avec un espèce de col vésical en entonnoir. L'existence d'un glissement de l'axe urétral en poussée plutôt qu'une bascule cervico-urétrale et qui peut donc expliquer l'inefficacité de votre bandelette, une bandelette posée trop lâche ou au contraire une bandelette qui s'est déplacée. Il y reste une petite place pour l'imagerie, même si aujourd'hui l'imagerie traditionnelle n'est que peu utilisée, vu les progrès de l'échographie notamment. Mais vous voyez que lors d'une cystographie rétrograde et émissionnelle, on peut tout à fait visualiser cet aspect de col vésical en entonnoir et cette vésicalisation de l'urètre.
Vous pouvez sur cette vision ici visualiser une fistule urétrale et donc la vidéo urodynamique, la radiologie conventionnelle et l'échographie sont devenus maintenant des éléments tout à fait indispensables à l'analyse de ces échecs fonctionnels. Alors, que nous dit la littérature en termes de risque d'échec des bandelettes sous-urétrales? Eh bien, vous voyez que si l'on considère dans ce travail la persistance de tout incontinence urinaire, comme facteur de risque ressort l'incontinence urinaire mixte et la chirurgie concomitante de prolapsus. Quand on ne considère que la persistance d'une incontinence urinaire d'effort, on retrouve comme facteur de risque également l'âge avancé. Dans ce travail de 2010, vous voyez que sont listés en facteur de risque de l'échec des bandelettes sous-urétrales l'obésité, l'incontinence mixte pré-op, les incontinences récidivées, la faiblesse sphinctérienne, le diabète ou la chirurgie concomitante du prolapsus. Il est important, donc, bien sûr, de revenir sur le problème de cette insuffisance sphinctérienne. C'est une question essentielle. Vous savez qu'il n'y a pas véritablement de consensus en termes de définition concernant l'insuffisance sphinctérienne chez la femme. Le diagnostic s'établit en fait sur une combinaison de plusieurs facteurs, qu'ils soient cliniques, anatomiques ou paracliniques, et doit s'inscrire dans une vision globale de la patiente. Il faut bien comprendre que le diagnostic d'insuffisance sphinctérienne ne saurait se limiter à la seule valeur de la pression de clôture, qui est bien sûr beaucoup trop réducteur. Cette insuffisance sphinctérienne, c'est un continuum de légère à très sévère, qui doit être modulé donc en fonction de la mobilité urétrale. Et c'est au final la dimension pratique qui va être retenue pour pouvoir proposer à votre patiente la meilleure des options possibles en termes de thérapeutique. Alors, je vous ai mis sur cette diapositive un travail ancien qui date de 2006, mais que j'aime bien représenter parce qu'il montre l'importance de la mobilité urétrale qui reste une question véritablement essentielle. Ce travail donc concerne 36 patientes qui avaient à la fois un urètre peu mobile avant l'intervention et une pression de clôture faible, et chez qui on a posé donc une bandelette sous-urétrale de type TVT. Le recul est de 20 mois et le taux de succès global dans cette série est de 78%. Quand on regarde de façon plus en détail les facteurs de risque d'échec de la procédure, on s'aperçoit qu'un angle de bascule inférieur à 20 degrés ou une pression de clôture inférieure à 15 cm d'eau sont des facteurs de risque. Et quand on screen les patientes et que l'on regarde en fonction de l'existence de ces facteurs de risque, les taux de succès varient grandement. Et la patiente qui a à la fois un angle inférieur à 20 et une pression de clôture inférieure à 15 a un succès qui chute drastiquement à 17% seulement en post-opératoire, alors que je vous rappelle que le taux global dans cette série était de 78%. Quand on a simplement un angle inférieur à 20, on a un taux de succès à 50%. Quand on a simplement la pression de clôture inférieure à 15, on a un taux de succès de 60%. Donc l'association des deux facteurs de risque est véritablement un critère très péjoratif en termes de résultats sur le plan de la continence. Alors, plus on a un urètre peu mobile, plus on va s'orienter vers une bandelette ajustable rétropubienne de type rémixte. Cette bandelette qui a été
largement étudié maintenant par les équipes espagnoles, se présente sous la forme d'une bandelette posée comme une bandelette de type TVT classique. Elle est prolongée par des fils de pollen et il y a un système de variotenseur qui est positionné en suspubien et qui va vous permettre de régler la tension de cette bandelette en post-opératoire. En post-opératoire immédiat, bien sûr, mais aussi plus à distance de la chirurgie, en fonction éventuellement de la dégradation de votre résultat avec le temps et avec le vieillissement de la patiente. Donc, c'est une intervention qui a des indications extrêmement limitées, mais qui permet de proposer à des patientes dont le succès d'une bandelette traditionnelle serait très compromis, une solution qui est encore techniquement relativement simple, même s'il existe une morbidité certaine avec ce type de bandelette, une intervention quand même beaucoup plus simple, par exemple, que la pose d'un sphincter artificiel. Alors, si vous avez bien sûr un urètre fixé, il va vous falloir envisager un traitement spécifique de l'insuffisance sphinctérienne, soit des agents comblants comme le glucamide, soit les ballonnets ACT, soit le sphincter urinaire artificiel. Je ne vais pas développer ces options thérapeutiques ici pour limiter la durée de mon exposé, mais sachez que donc, lorsque nous avons un urètre non mobile, il faut donc proposer à ces patientes d'autres options thérapeutiques spécifiques de l'insuffisance sphinctérienne. Alors, votre patiente, elle lui demande une nouvelle prise en charge, efficace cette fois-ci, et se pose donc la question de savoir si je sais ou je ne sais pas traiter une incontinence urinaire d'effort récidivé ou persistante après une première pose de bandelette. Eh bien, je vous répondrai que oui, je sais, mais parfois seulement. Dans ces conditions, il faut donc bien sûr authentifier l'incontinence urinaire d'effort récidivé, vérifier votre hypermobilité cervico-urétrale et éliminer les patientes avec un urètre peu mobile ou fixé, éliminer les patientes avec une béance cervicale, éliminer les patientes avec un glissement de l'axe cervico-urétral. Dans ces conditions, vous pouvez envisager une nouvelle BSU. Alors, qui dit nouvelle BSU dit éventuellement la remise en tension de la première. Alors, comment faire le choix? Il y a des critères échographiques qui sont favorables au raccourcissement. Pour pouvoir envisager et proposer à votre patiente une remise en tension de votre première bandelette sous-urétrale, il faut que cette bandelette soit en situation normale au tiers moyen de l'urètre. Il faut confirmer donc qu'elle soit posée de façon trop lâche. Quand vous avez ces deux critères, vous pouvez éventuellement proposer une remise en tension de votre première bandelette sous-urétrale. Alors, comment se fait cette remise en tension? Il n'y a pas de standardisation de la procédure. Certains réalisent une plicature simple, d'autres réalisent cette plicature après une section première de la BSU. C'est ce que nous avons souvent l'habitude de réaliser pour éviter donc que le paletot ne soit trop épais à la zone de plicature. Elle se fait donc au fil de prolène. Il faut couper les sutures courtes pour éviter donc qu'il y ait une extrusion de ces fils à travers le vagin. Et il faut désaxer la suture de votre incision sous-urétrale initiale pour là aussi éviter les désagréments de cicatrisation. Alors, cette procédure, elle est réalisable sous anesthésie locale, ce qui peut rendre pertinent un test à la toux qui vous permettra d'ajuster au mieux la tension de votre bandelette pour un résultat optimal. Alors voilà sur ces visions péropératoires, la dissection donc là du bras gauche de la bandelette sous-urétrale. Sur cette vision, vous avez les deux fragments de BSU qui ont été libérés et qui vont être donc suturés en paletot pour raccourcir la bandelette sous-urétrale.
Alors, quels sont les résultats de ces remises en tension? Alors, on avait jusque-là peu de données publiées, et le plus souvent avec de très petits effectifs, voire de simples case reports, et des taux de succès entre 65 et 75%. Récemment, a été publiée une série un peu plus importante de 36 patientes qui n'ont malheureusement pas bénéficié de screening échographique avant la remise en tension. Et dans cette série, le taux de succès est différent selon le type de bandelette initiale. Il est de 77% quand quand il s'agit d'un TVT, il n'est que de 40% lorsqu'il s'agit d'un TOT. J'avoue que ces chiffres méritent probablement d'être confirmés par d'autres équipes pour savoir s'il y a véritablement un succès optimisé si la bandelette initiale est posée par voie rétropubienne. Quand on regarde la série publié récemment en termes de méta-analyse sur les résultats après une seconde BSU, vous voyez que les chiffres sont relativement identiques à ceux des remises en tension, puisqu'on a un taux d'efficacité de 74%. Le taux est de 77% dans la série de Bichat publiée par Jean-François. Avec des chiffres qui finalement sont assez comparables dans la littérature. Alors, entre deuxième BSU et remise en tension, comment choisir? Est-ce que les résultats sont différents? Alors, il y a une étude comparative qui a été publiée en 2012. Vous voyez que clairement, elle donne l'avantage à la nouvelle BSU, dont les taux de succès sont supérieurs doublement à celui de la remise en tension. Mais encore une fois, je pense que si j'ai un message à vous faire passer, c'est que la remise en tension ne peut se justifier que si vous avez des critères échographiques de positionnement correct de votre première bandelette sous-urétrale. Et je pense que quand on réalise ce screening, on a effectivement des taux de succès de la remise en tension qui sont nettement augmentés et qui restent à ce moment-là comparables à ce que l'on peut avoir après une seconde BSU. Mais encore faut-il se donner les moyens de ce screening de patientes. Quand on ne réalise pas ce screening, les taux d'échec sont trop importants pour proposer cette procédure de manière habituelle. Donc, si vous voulez tester la remise en tension, qui, je vous le rappelle, reste une intervention simple, réalisable sous local, réaliser au préalable une échographie, confirmer le positionnement correct de votre bandelette, son positionnement trop lâche, et vous aurez un bon taux de succès du geste technique, pour peu que vous puissiez éventuellement ajuster le réglage par un test à la toux péropératoire. Alors, faut-il libérer ou retirer la première BSU lors d'une pose itérative? Alors là non plus, il n'y a pas de consensus au niveau des pratiques. Cette étude a analysé ce paramètre. C'est une étude de faible effectif, rétrospective, et qui ne révèle pas de différence subjective en faveur de l'une ou l'autre des options. Ce que l'on peut dire en tant qu'expert dans les différentes unités que nous avons l'habitude de côtoyer, c'est que il est conseillé de retirer la première bandelette lorsqu'elle est génératrice de complications, qu'elles soient fonctionnelles ou anatomiques. Bien sûr,
une bandelette mal cicatrisée, une bandelette douloureuse, une bandelette irritative ou obstructive sera retirée avant d'envisager la pose d'une seconde bandelette sous-urétrale. Dans le cas où il n'y a aucun souci spécifique, la bandelette initiale peut être laissée en place. Alors, quid de la bandelette Rémix dans l'incontinence urinaire récidivée? Alors, j'ai choisi dans l'ensemble des publications de cette équipe espagnole un travail récent qui a un recul de 89 mois et qui différencie bien les patientes avec une incontinence récidivée. Vous voyez que la bandelette Rémix dans cette indication, c'est près de 76% de guérison de l'incontinence urinaire d'effort. Ce chiffre est de 68% quand on considère la population des patientes qui avaient une insuffisance sphinctérienne sévère. Donc, en résumé de mes propos, je vous proposerai ce petit algorithme pour la prise en charge d'une incontinence urinaire récidivée après bandelette sous-urétrale. Il vous faut avant tout évaluer le degré de votre mobilité urétrale et la positivité de votre manœuvre de type TVT. En situation tout à fait classique avec une pression de clôture normale, vous pouvez opter sans problème pour une pose d'une nouvelle BSU, voire la réalisation d'une colposuspension selon Birch. Dans le cas où vous avez une pression de clôture faible, il est quand même conseillé de poser plutôt une voie rétropubienne type TVT. Chez les patientes qui ont un urètre peu mobile ou fixé, c'est le degré de positivité de votre manœuvre de type TVT qui va vous faire opter soit pour la bandelette de type Rémix quand le TVT test est douteux, ou positif mais relativement serré, ou vers le choix des techniques spécifiques de l'insuffisance sphinctérienne lorsque la manœuvre est franchement négative. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'incontinence urinaire d'effort récidivé. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François pour le deuxième volet de cette présentation. Merci encore Gérard pour l'organisation de ce Digital Quid Meeting. Ça a été un travail incroyable et ça sera probablement un ballon d'essai pour peut-être une future CIFUT si jamais les conditions sanitaires ne s'arrangent pas. Alors Brigitte, comme d'habitude, tu as pris la partie facile, c'est-à-dire les fuites d'effort après bandelette sous-urétrale, et tu m'as laissé la partie difficile, c'est-à-dire l'incontinence urinaire par obgenturie après bandelette sous-urétrale. Alors, pour illustrer cela, je vous propose le dossier de Marianne. Marianne, elle a 62 ans, elle a accouché trois fois, elle a des antécédents pas très intéressants et elle a surtout eu la mise en place d'une bandelette transobturatrice il y a 3 ans pour une incontinence urinaire d'effort. Sur le plan d'effort, la situation va très bien. Si vous voyez son score USP effort, c'est 0 sur 9. Par contre, c'est beaucoup moins bien sur la composante urgente avec un 14 sur 21. Par contre, elle n'est pas du tout dysurique avec un 0 sur 9. En tout cas, cela la gêne beaucoup puisque son score à la question 5 de la SAEQ est de 9. Quand on regarde son calendrier mixtionnel, entre 10 et 12 mouctions le jour, 3 à 4 la nuit, une diurèse qui est normale et des volumes urinés entre 120 et 200 millilitres. Alors, la première question, c'est d'avoir quel bilan faire devant cette situation. Pour vous rappeler avant que l'urgenturée après bandelette sous-urétrale est un motif très important de non-satisfaction des patientes. Et quand on regarde donc cette analyse du rapport bénéfice-risque de la bandelette sous-urétrale, ces urgenturies sont souvent très mis en avant. Si on prend la série la plus ancienne, qui est la série de Nielsen, à 17 ans après TVT, vous voyez que déjà dans cette série, les patientes étaient contentes sur le plan de l'effort. Par contre,
près de 15% des patientes étaient gênées par des urgences d'urine, souvent très importantes. Alors, quelles sont les étiologies supposées de cette hyperactivité vésicale après mangeance urétrale? Parfois, l'infection urinaire, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Parfois, une obstruction sous-vésicale, alors ça peut être simplement une bandelette sous-urétrale trop serrée. Parfois, c'est un petit prolapsus qu'on a négligé et qui est responsable de cela. Parfois, ce sont des érosions vésicales ou urétrales. Et souvent, c'est ce qu'on appelle idiopathique. En réalité, lorsqu'on démembre un petit peu ces étiologies idiopathiques, on peut retrouver parfois un funneling. Alors, le funneling, vous savez, c'est une urètre un peu large avec des gouttes d'urine qui vont pénétrer dans cette urètre proximale et générer une contraction vésicale réflexe. Parfois, c'est une dénervation partielle du détrusor, c'est en tout cas quelque chose qui a été évoqué. Et enfin, ce peut être aussi une mauvaise position de la bandelette sous-urétrale, soit trop distale, soit trop proximale. Lorsqu'on prend des séries comme celle de la Cochrane, vous voyez que ces urgences d'urine avec ou sans fuite sont régulièrement rapportées, avec des taux de moins de 10% avant un an, mais des taux qui vont jusqu'à 15% si on se place sur des durées plus prolongées. Lorsque l'on veut incriminer plutôt la voie transobturatrice, la voie rétropubienne, là, la littérature n'est pas du tout concordante. Certaines considèrent que le risque est le même pour ces deux types de voies d'abord. D'autres considèrent que la voie rétropubienne est un petit peu plus responsable de cette complication. Est-ce qu'il y a des critères de survenue de cette hyperactivité vésicale? Eh bien, dans cette analyse donc de la littérature, vous voyez que il y a l'âge, il y a des antécédents d'incontinence urinaire mixte, des antécédents de prise de traitement anticholinergique dans le passé. Alors, quels examens demander? Refaire un bilan urodynamique pour analyser quelles sont les conséquences de l'intervention sur l'équilibre vésico-sphinctérien, une débiométrie, est-ce qu'il est apparu une dysurie, un résidu, une cystomanométrie avec très important une phase mictionnelle pour voir un peu quelle est la contractilité de cette vessie, est-ce qu'il y a une hyperactivité détrusorienne qui n'existait pas avant l'intervention, voir également le profil urétral, est-ce qu'il y a par hasard une aggravation de la souffrance sphinctérienne liée aux dissections. En se souvenant cependant que le profil urétral, c'est une mesure des résistances à l'écoulement et que haute pression n'est pas forcément significative de bonne fonction sphinctérienne. La cystoscopie, elle est absolument indispensable lorsqu'on prend en charge ces complications parce que parfois, on va identifier une érosion urétrale, une érosion vésicale, parfois une fistule urétro- ou vésico-vaginale. Quant à l'imagerie, on peut s'aider d'une échographie introïtale qui est très intéressante pour visualiser la position de la bandelette, éventuellement aussi une cystographie dynamique et mictionnaire. Alors voici donc notre dossier de Marianne. Vous voyez que quand on regarde son bilan urodynamique, vous voyez qu'elle a une débiométrie qui n'est pas bonne, avec un débit maximum à 10 000 par seconde, un résidu de 200 millilitres, une hyperactivité détrusorienne, bon, des pressions de clôture sans beaucoup de commentaires. Et dans cette situation, lorsqu'il existe une urgenturie sur obstacle identifié, il faut la traiter en priorité par une section de la bandelette, section latérale ou résection sous-urétrale. Il est sûr que la résection sous-urétrale lève beaucoup plus de manière certaine l'obstruction, mais au prix, malheureusement, souvent, d'une récidive de l'incontinence urinaire d'effort pour 25% de ces patients. Alors, si on prend ce papier de 2016 pour savoir si la réintervention corrige cette composante urgente, et vous voyez que en fait, ce n'est pas toujours le cas et que seulement une patiente sur quatre ont, après la section de la bandelette, la disparition complète de leur urgenturie. Dans la série, deux facteurs de risque avaient été identifiés sur la persistance de cette incontinence de l'urgenturie, c'était le tabac et la prise préalable d'anticholinergiques. Deuxième situation pour notre Marianne, donc elle a toujours la même cystomanométrie et le même profil. Par contre, elle a ici une débiométrie qui est satisfaisante avec un bon débit maximum et l'absence de résidus post-mictionnaires. On a complété par un examen clinique, il n'y a pas de cystocèle, il y a des releveurs à 3, il n'y a pas de fuite, pas d'hypermobilité urétrale, pas d'érosion vaginale, pas d'infection urinaire
et à la fibroscopie, on ne voit ni érosion vésicale, ni érosion urétrale. Dans cette situation, que faire? Eh bien, c'est la prise en charge de fuite par urgenturie sans obstacle, avec pour commencer les traitements anticholinergiques, le mirabégron, éventuellement la rééducation, la neurostimulation tibiale postérieure, et lorsque ceci ne fonctionne pas, on peut proposer le traitement d'une hyperactivité vésicale réfractaire par de la toxine botulique ou une neuromodulation. Alors, quelques papiers pour illustrer cela. Celui-ci qui étudie l'intérêt de la soniféracine chez ces patientes ayant une hyperactivité vésicale après bande d'urétrale transobturatrice, comparé à un groupe témoin d'hyperactivité vésicale idiopathique, 5 mg, 3 mois de traitement. Et vous voyez que ces produits n'ont pas forcément un résultat merveilleux dans l'hyperactivité vésicale après bandage urétrale. Un nombre d'épisodes d'urgenturie qui diminue de 1 et d'épisodes de fuite par urgenturie qui diminue de 0,2, c'est-à-dire 3 fois rien. Pour la neuromodulation, très peu de publications, seulement cette étude rétrospective où comportant 34 femmes, dont seulement deux tiers sont répondeuses, les facteurs de non-réponse étant l'âge de plus de 55 ans, le long délai entre la chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort et l'implantation et la réalisation de la neuromodulation sacrée et le plancher pelvien faible. Et puis, si on considère maintenant les injections de toxines botuliques à 100 unités en 20 points, en comparant avec les résultats que l'on pourrait avoir dans l'hyperactivité vésicale idiopathique, vous voyez qu'il n'y a pas de différence que l'hyperactivité soit idiopathique ou après bandage urétrale, tant sur le plan de la fréquence mictionnelle que des fuites par urgence que du résultat du pas de test. Alors, un cas particulier, c'est celui de l'incontinence urinaire mixte. Vous savez que la mise en place d'une bandelette sous urétrale a un résultat parfois aléatoire sur cette composante urgente. Parfois, elle la fait disparaître. Parfois, il n'y a pas de modification. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle va l'aggraver et que ces urgenturies aggravées sont extrêmement difficiles à traiter. Il faut, chez ces patientes ayant une incontinence urinaire mixte, leur donner une information très complète pour leur dire qu'effectivement, c'est une situation qui peut se produire. Quels sont les critères de persistance de l'hyperactivité vésicale dans cette situation? Eh bien, les pressions de clôture basse, l'insuffisance sphinctérienne, la présence de contractions non inhibées, mais l'âge également est un facteur de risque. Alors, Brigitte, tu nous avais proposé ce petit algorithme pour traiter une incontinence urinaire récidivée. Il est bien, mais tu oublies un paramètre qui est celui de la vidange vésicale. Tu considères que la mobilité de l'urètre, c'est très bien, mais la notion de bonne vidange ou mauvaise vidange après cette première bandette est un élément très important pour prendre une décision. Donc, je vous propose cet algorithme qui est un peu plus compliqué, mais qui va intégrer cette notion avec, pour la partie gauche de la diapo, pour l'incontinence d'effort, les patientes qui ont une bonne vidange vésicale et une manœuvre de soutènement d'urètre positive, où là, il n'y a pas de difficulté, c'est la bandette sous-urétrale. Les patientes qui ont une bonne vidange vésicale et une manœuvre de soutènement d'urètre négative. Et enfin, celles qui ont une mauvaise vidange vésicale sur lequel il faut probablement prévoir quelque chose. Si on considère maintenant ma partie, eh bien, vous voyez qu'il est important de faire un bilan clinique, urodynamique, une fibroscopie urétrovésicale. Soit on identifie une cause et on la traite, infection urinaire, érosion, prolapsus, obstruction, soit on n'identifie pas de cause et on est à ce moment-là dans le cadre du traitement d'une hyperactivité vésicale avec les mesures de première ligne, puis les mesures de deuxième ligne. Je vous remercie.